Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une idée d'escapade en Alsace. Il s'agit d'un resort et c'est La Largue, golf et wellness. Et pour nous parler de cela, avec nous, Robin Bader, qui est directeur général. Bonsoir Robin. Bonsoir. Alors ce n'est pas seulement un terrain de golf. Comment est-ce qu'on peut définir ce lieu ? Alors exactement, ce n'est plus qu'un terrain de golf, parce que durant 30 ans, en fait, ce golf était la propriété de 30, enfin de plusieurs actionnaires qui étaient d'origine baloise. Et actuellement, il y a eu un changement de propriétaire en mars 2018. Et on a pour objectif de transformer vraiment cet établissement en un resort, en créant de nouvelles prestations telles que la restauration, donc la création d'un restaurant gastronomique, la création d'un spa et aussi la construction d'un hôtel qui va démarrer en été 2019. Donc notre but, c'est vraiment de pouvoir s'ouvrir à une clientèle plus large, puisque durant 30 ans, ce golf était assez fermé et que maintenant, justement, on souhaite s'ouvrir en créant un resort. En plus, c'est dans un endroit un petit peu emblématique parce qu'on est à la frontière entre la France, la Suisse, l'Allemagne. Alors moi, ce qui m'a marqué dans votre spa, c'est que vous proposez également des soins avec des balles de golf. Ça fonctionne comment ? Alors exactement, ce spa qui est une des nouvelles transformations que nous avons inaugurées il y a quelques semaines, qui propose donc entre autres des prestations donc de sauna, de hammam, de massage comme vous l'avez dit, et une salle de sport qui est totalement équipée. Et nous avons voulu nous différencier tout en restant dans l'image du golf, si vous voulez, en proposant justement des massages où on masse physiquement avec des balles de golf pour relaxer les personnes et détoxifier les muscles. Alors vous avez vraiment différentes prestations et dont des choses assez accessibles. C'est quoi la moyenne au niveau des gammes des prix ? Alors comme je l'ai expliqué avant, durant 30 ans, ce golf était quasiment exclusivement réservé à l'usage de ses membres. Et comme il y a eu un changement de politique, un changement de propriétaire en mars 2018, notre but est de pouvoir s'ouvrir à une clientèle qui est beaucoup plus large. Donc maintenant, nous disposons de 3 restaurants. Donc nous avons 3 gammes de restauration différentes. Nous avons le snacking, nous avons le restaurant traditionnel où nous organisons également des mariages, des salles, des anniversaires, des repas de famille. Et nous avons aussi la possibilité d'aller dans le haut de gamme avec notre restaurant gastronomique que nous avons inauguré en octobre l'année passée. Donc on en a pour tous les goûts, on essaie vraiment de satisfaire une clientèle le plus large possible et de s'ouvrir un maximum à la région et aux clientèles dans les environs. Et pour 2020, vous avez également un projet d'hôtellerie, c'est pas encore construit, qu'est-ce que vous pouvez nous révéler sur Alors, cette partie ? Pour l'instant, on a coupé les arbres et on va démarrer la construction en été 2019. Et exactement, donc c'est la construction d'un hôtel de 50 chambres. Et je pense que c'est une très bonne chose pour la région, étant donné qu'on va offrir une création d'emplois, ça va dynamiser aussi le tourisme dans la région. Et ça va offrir de nouvelles... Le resort en lui-même va offrir de nouvelles prestations de loisirs, en fait, pour les personnes qui habitent physiquement dans l'Alsace et dans les environs. Vous organisez également des événements. S'il y en a un à retenir, à venir, ce serait quoi ? Alors, s'il y en a un à retenir, le plus gros événement que nous organisons cette année, c'est la finale européenne. C'est la première finale européenne du Ladies Tour Access, qui est la deuxième division féminine de golf. Donc c'est un événement qui se déroulera du 2 au 6 octobre 2019, pendant une semaine, où c'est un événement international et c'est une première justement dans l'histoire du golf féminin qu'une finale se passe en Europe. Donc je suis assez fier de pouvoir porter ce projet. Bravo, en tout cas c'est assez incroyable et vous pouvez noter l'adresse et aller vous renseigner sur toutes ces belles informations. Alors, tout au sud de l'Alsace, dans le Sungau. Hein. Exactement, dans c'est le fin fond du Sungau. C'est dans le sud, c'est bien, c'est exotique de dire ça. Le fin fond du Sungau, j'aime bien parce que là, c'est encore plus loin de ce qu'on dit. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Autre actualité, Vera. Alors c'est le couturier strasbourgeois Kérim Ibis, qu'on avait déjà en plateau ici, qui avait fait plusieurs concours, qui organise un défilé haute couture ce samedi 8 juin en association avec l'ISEC Strasbourg. Il travaille actuellement pour la maison Chanel et le Moulin Rouge. Il a lancé sa marque en 2016 et il présentera en exclusivité 20 robes haute couture originales ainsi que quelques créations masculines. Alors les places sont vraiment limitées. Inscrivez-vous vite, il y a le lien qui va s'afficher en dessous. Voilà, notez-le, inscrivez-vous et vous allez en prendre plein les yeux. Et on termine avec votre coup de cœur. Alors mon coup de cœur, vous allez le voir, c'est le must-have de 2019. Ça s'écrit Xuxu, mais ça se prononce Chouchou. Alors je l'ai avec moi. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est une coque de téléphone avec un cordon, voilà, tout simplement. Et c'est super pratique parce que ça se porte comme un sac à main. Je ne vais pas faire des grandes démonstrations, mais allez le tester, c'est vraiment fabuleux. Et ça vous permet en fait tout simplement d'avoir les mains libres. Ça coûte seulement 25 euros et c'est très pratique. C'est un petit sac à main. Oh, c'est le téléphone en sac à main.